Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission SOS Prière, votre émission de percée et de victoire. Je suis pasteur Chami Mosseni et j'ai le plaisir d'être avec ma glorieuse sœur aujourd'hui. Bonjour évangéliste Merveille. Bonjour pasteur Chami, wow, quelle joie encore d'être là à l'émission SOS Prière. Alors on vous accueille et aujourd'hui on va encore passer un très très beau moment dans la présence des dieux. Amen. C'est une émission de prière, donc apprêtez-vous vraiment déjà de vous mettre dans cette atmosphère de prière et aussi d'apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Et on va ensemble vivre des miracles, Pasteur Amen. Chami. On va vivre des miracles vraiment parce qu'aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est la délivrance des œuvres du diable. Quand on parle de délivrance, c'est qu'il y aura des personnes délivrées. Et oui. Le Seigneur ne peut pas nous convoquer à la délivrance et nous laisser repartir comme des prisonniers. Non, non. Aujourd'hui, c'est votre journée de liberté. C'est votre journée de plénitude dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on a prié tout à l'heure, on a déclaré que les liens vont tomber, que les chaînes vont être brisées. Alléluia. On va proclamer la liberté. La liberté, elle se proclame. Il n'y a rien de plus. On n'a pas besoin d'être chez vous pour vous imposer les mains ou pour prier pendant des heures. Non, Jésus a dit qu'on proclame la liberté et elle est effective. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va proclamer la liberté. Depuis ici, moi, je sais que l'onction de Dieu... Elle va vraiment travailler, elle va travailler pour vous. Wow. Vraiment prédisposer, vous soyez dans la foi. Je ne sais pas quel est le lien que vous n'arrivez pas à défaire. Quel est le lien que vous avez l'impression qui est en train de vous rendre esclave et de vous empêcher de vivre. Mais ce lien-là aujourd'hui, il va tomber dans le nom de Jésus. Waouh, quand pasteur Chami m'éteindre de prier, Alléluia. J'ai vu juste qu'elle a dit qu'on va proclamer la liberté. Et puis là, j'ai vraiment... une image où je vois une femme à qui on vient de dire tu es libre. Et quand on te dit tu es libre, imagine que tu es à prison, on te dit tu es libre, on qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ça veut dire que la porte est ouverte. La seule chose que toi tu peux faire, c'est sortir. C'est ça. C'est sortir avec la joie. C'est sortir avec la joie. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a déclaré la délivrance. Il a dit que nous étions libres. Il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Ta délivrance est dans le tout est accompli. C'est ça. Et si Jésus a dit que tout est accompli, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait? C'est nous maintenant de nous lever et nous saisir cette liberté et marcher dans cette liberté. Oui. Et pourquoi on va c'est parler notre héritage. Et pourquoi on va parler aujourd'hui de la délivrance des œuvres du malin? C'est parce que beaucoup de personnes, pasteur Chami, ne savent pas encore qu'ils sont libres. Amen. C'est comme exactement si on a déclaré ta liberté et puis là tu continues à vivre dans la prison. C'est ça. Exactement. La porte est ouverte, exactement. Mais tu continues à t'asseoir dans cette prison. Non, c'est terminé ça. C'est terminé. C'est fini aujourd'hui. Sors. Au nom de Jésus, amen, c'est terminé. Mais c'est bien que ce que tu dis, c'est vrai. Parce qu'en plus, tout au long du mois d'août, on parle du salut et de la justice de Dieu. Donc c'est vrai que ce que Dieu nous a accompli à la croix, la liberté est dedans. Et pourquoi c'est important dans une émission comme SOS Prière de parler de la délivrance? C'est parce qu'on reçoit énormément de demandes de prière, de personnes qui disent oui, je me sens poursuivie par l'ennemi, je suis tout le temps attaquée, oui, il y a des liens ancestraux, générationnels. Beaucoup de gens qui appellent parce qu'ils vivent dans leur vie quelque chose qui pense qu'il les a liés, pense qu'ils sont liés par des esprits méchants, et etc. Mais en réalité, la plupart du temps, c'est un problème de révélation. C'est parce que les personnes n'ont pas bien compris la richesse du salut qui leur a été offert en Christ. Quand on connaît la richesse du salut qui nous a été offert en Christ, on est conscient qu'on est déjà libre et il ne nous reste plus qu'à marcher dans cette liberté en toute autorité. Le jour où l'ennemi passe par là, tu lui dis arrière. Moi, là, je suis libre. Arrière de moi, Satan. Et c'est notre et tu lui demandes l'ordonnance. Tu sais, parce que quand je vais te dire qu'on a déclaré que tu es libre, il y a un document là-dessus. C'est ça. Il y a des preuves là-dessus que tu es libre. C'est tout s'est produit à la croix. Exactement. Parce que même dans la parole de Dieu, on dit, il a détruit toutes les ordonnances qui nous condamnaient.
les a cloués à la croix. Tout à fait. C'est une preuve de notre délivrance. Exactement. Et toutefois, quand le diable va te dire, non, tu n'es pas encore libre. Tu prends ton papier. Voici. Je suis affranchie. Tout est accompli. Amen. Alors, comme pasteur Chabib le dit, c'est question de révélation. Tu n'as pas encore saisi, tu ne l'as pas encore visualisé, tu ne l'as pas encore mis dans ton cœur pour dire, hey, c'est de ça qu'il s'agit. Hey. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est la bonne nouvelle. Oui. Amen. On va lire Ésaïe 61 et ensuite, on va vous saluer à tous ceux qui nous regardent. Amen. Ésaïe 61, c'est une parole prophétique que Dieu avait déjà donnée depuis l'Ancien Testament. Donc, depuis des millénaires, Dieu avait déjà parlé sur le salut qui arrivait vers nous. Et cette parole d'Ésaïe 61, Jésus a déclaré qu'il l'accomplit. Dans Luc 4, verset 18, Jésus reprend la même prophétie et dit que là, c'est accompli. Et cette prophétie, aujourd'hui, elle dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Amen. Car l'Éternel, Dieu, m'a oint pour porter la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il m'a envoyé, pour proclamer aux captifs la liberté. Vous voyez, proclamer. Vous n'avez pas besoin de vous battre, vous devez la déclarer. Donc, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et ça, c'est une parole, une promesse que Dieu avait faite déjà depuis la nuit des temps. Il avait prévu pour nous un sauveur, un libérateur. Et il a annoncé depuis la Genèse jusqu'à la fin du livre, Dieu parle de cette promesse. Et ici, dans Ésaïe, il dit qu'il envoie lui-même son oint. Amen. C'est Jésus qui est loin de Dieu, qui a la capacité, l'onction de nous libérer complètement. Et aujourd'hui, il le fait encore. Wow. Amen. Wow. Wow. Alléluia. On va vous saluer, mes frères et sœurs des nations. Amen. Ministère des Affaires étrangères, nous te saluons. Ça fait quelques fois que je te vois dans l'émission. Merci pour ta fidélité, ta confiance. Je veux déclarer ta liberté aujourd'hui, toi qui es derrière ce pseudonyme. La liberté est ton partage dans le nom de Jésus. Il y a Sandrine qui dit, j'ai mon passe d'affranchi. Amen. Yes. Il y a ton passe d'affranchi, on dit amen. Amen. Alors, amen. Montre ça au diable toutes les fois qu'il va te dire des choses bizarres, qu'il y a des chiens qui courent c'est après ça. Toi. Qui a je sais pas quoi. Non. Amen. On va pas se laisser distraire par ça. Amen. Bonjour à Cabrane de la Côte d'Ivoire, à Sandrine de la Guadeloupe. On veut saluer aussi Eddie John. Ah oui, il dit que Sandrine s'appelle Emmanuel. Bon ben, bonjour Emmanuel. Bonjour aussi à Jacqueline Dautria. Bonjour à tous ceux qui sont présents, à Geneviève François, nous te saluons. Marie Dosu Yovo, alléluia. Bonjour Marie, notre fidèle auditrice, la libérée de l'Éternel. Alléluia, je te donne un nouveau nom Marie, la libérée de l'Éternel. Amen. Alléluia. On a Tata aussi qui est connectée, Monica Mimose. Bienvenue à SOS Prière, chère famille. Et moi, je veux vous encourager à partager ce live. Alors que nous allons déjà déclarer, proclamer la liberté, nous allons partager une parole qui va rendre de nombreuses personnes libres. Nous vous encourageons à partager sur les réseaux ou dans vos contacts, partager ce live parce que vous connaissez certainement des personnes qui ont besoin de cette liberté. C'est leur occasion de la recevoir. Nous allons prêcher, déclarer le salut et il va être effectif dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Également, le centre d'appel Victoire sera actif pendant toute l'émission. Donc, il y aura un numéro qui va apparaître en bas de l'écran. Et quand vous composez ce numéro, vous avez accès directement à des conseillers qui vont prier avec vous. Donc, si vous connaissez des gens qui ont besoin de prière, invitez-les sur le live pour qu'elles accèdent au centre d'appel Victoire. Amen. On est disponible pour elles. On bénit le Seigneur pour le centre d'appel Victoire et on déclare que tout ce qui va être fait dans le nom de Jésus aujourd'hui va avoir une portée éternelle dans Amen. Le nom de Jésus. Donc, Amen. Vraiment, on vous encourage à partager l'émission. Aussi, moi, je vais vous inviter du 4 au 7 septembre à l'église de la Victoire. Vous pouvez mettre cette date-là de côté. Du 4 au 6 septembre 2024, on a une conférence. Oui, vraiment, ça va être encore des moments extraordinaires, des lives. Amen. Un live à ne pas manquer. Mm-hmm. Comme on l'a dit la dernière fois, que vous pouvez déjà mettre ça dans votre calendrier et l'encercler, mettre à part pour dire, je vais faire même une retraite. Ce moment-là, je veux dire, ces jours, je les encercle, je vais me mettre à part.
par moi-même pour recevoir. Oh, j'aime le titre. Quel est le titre là? C'est Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. C'est quelle situation aujourd'hui que vous ne voyez pas des possibilités? Votre intelligence vous dit qu'il n'y a pas de possibilité. Mais ces jours-là, on va opérer dans la dimension de tout est possible. Amen. On aura des témoignages aussi glorieux de ce que le Seigneur a déjà fait. On va vivre des moments particuliers avec le Seigneur. Donc, mettez-le à l'agenda, mettez-le déjà de côté. Et moi, je vous invite aussi, si vous êtes un homme ou une femme dans les nations et vous sentez l'appel au ministère, vous sentez que Dieu vous appelle à servir l'Église à temps plein ou bien à rentrer dans un ministère ou même la louange, vous voulez être un leader dans votre Église, vous avez besoin de formation. Eh bien, pasteur Joël Spinks nous propose une toute nouvelle formation pour les ouvriers. Donc, ça va être sur le lien cbjs.ca, c'est-à-dire Collège Biblique Joël Spinks. Donc, c'est le nom de cette école, Collège Biblique Joël Spinks.ca. Vous allez sur ce lien et vous pouvez déjà, dès maintenant, vous inscrire. Les cours vont commencer bientôt, le 16 septembre. Ça va être l'ouverture de cette formation et vous ne voulez pas manquer ça aussi. Si vous avez dans vos relations des personnes, des fois, on a un frère ou une sœur qu'on sait qui est appelé au ministère et qui n'a pas encore fait sa formation, vous pouvez leur en parler, leur dire qu'il y a cette formation avec le pasteur Joël Spinks, l'apôtre Joël Spinks, il y a un homme de Dieu trempé dans l'intégrité, trempé dans l'amour. Vous pouvez être vous aussi le contact qui va appeler les autres qui ont besoin de formation, diffuser l'information, publier ça auprès de quelqu'un qui en a besoin et inviter. Les cours vont se donner en ligne. On aura aussi des rencontres virtuelles avec le pasteur Joël directement où il pourra nous assister dans les questions et tout. Donc le cours étant en ligne, c'est accessible à tout le monde dans les nations, à tout le monde. Au Tchad, au Bénin, au Vietnam, en France, partout. Et je sais que vous aimez ce ministère, vous aimez tout ce que nous sommes en train de faire, vous aimez Pasteur Chami, vous aimez toutes les personnes que vous voyez devant. Et puis, si vous les aimez, vous savez, on a tous eu les formations de notre apôtre. C'est ça. Il nous a formés personnellement. Mm-hmm. Donc, au ministère. Donc, ce que nous sommes en train de faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Mm-hmm. C'est pour cela que on vous encourage vraiment à vous inscrire à cette formation pratique. Oui. Ce que j'aime, c'est le côté pratique. C'est le côté pratique du ministère. Mm-hmm. Au-delà de tout ce qui est théologique, comment est-ce qu'on fait concrètement, pratiquement, quand on est dans le ministère. C'est bien, on ne néglige pas les autres aspects. Comprenez-nous, vraiment. On n'est pas en train de négliger d'autres aspects. Pas du tout. Mais on a besoin du côté pratique. J'ai toujours dit que on est allé à l'école, on étudie la mathématique, mais pratiquement, on utilise la mathématique comment, pasteur Chamim? C'est ça. Il faut que tu me dises comment on utilise la mathématique. Mais quand on est à l'école, on va faire les X, les Y. Oui, mais pratiquement dans la vie, c'est quoi? On peut faire un budget, par exemple. Exemple. Mais là, on va l'amener dans le côté pratique, pour que on puisse vraiment la parole de Dieu soit accessible quand tu vas aussi l'enseigner, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis le ministère, c'est servir des hommes, hein. Servir l'Église, c'est servir des personnes. Donc, effectivement, on est confronté à des situations différentes, dans les contextes différents. Et c'est bon d'avoir un recul d'un homme de Dieu d'expérience qui a déjà roulé sa bosse dans le métier. Il sait de quoi il parle. Il va nous éviter beaucoup d'embûches et beaucoup de détours. Donc, vraiment, si vous êtes appelé au ministère, moi, je vous encourage très fortement à faire cette formation. Vous allez être enrichi et équipé pour faire l'œuvre que Dieu vous appelle à faire. Amen. Amen. On déclare d'ailleurs la provision aussi. Pour tous les cours que vous allez prendre, ne réfléchissez pas. Dieu est la provision. Il s'appelle Jairé. Il a pourvu. Inscrivez-vous. Commencez avec ce que vous avez. Et moi, je crois que Dieu qui vous a appelé, hein, il vous a appelé, donc il vous a donné une vision. Il a aussi la provision. Il a aussi ce qu'il faut pour accomplir cette vision-là. Amen. Donc, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. On a déclaré aujourd'hui la liberté. Amen. On vient contre toutes les pensées limitantes et on vous invite à vous inscrire et à vous former pour réaliser les projets que Dieu a prévus pour votre vie. Amen. Il dit à la fois ajouter la connaissance. La connaissance. Amen. C'est ça. Très important. À la fois ajouter la connaissance. Amen. Alors, c'est le moyen parfait pour ajouter cette connaissance. Amen.
Ok, ben on va prier, on va remettre l'émission à Dieu. On a un petit quart d'heure dans lequel on va vraiment vous parler de la délivrance des œuvres du diable. Comment la vivre, en fait, quand on a un enfant de Dieu, comment aborder cette délivrance-là? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont acculés par les manifestations sataniques ou les manifestations des esprits méchants et tout. Mais aujourd'hui, on va briser les mensonges, on va libérer à travers la parole. En tout cas, la parole de Dieu va libérer beaucoup de mentalités et beaucoup de personnes aujourd'hui. On va prier pour cette émission dans le nom de Jésus. Tu veux prier, Évangéliste Merveille? Oui. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce jour qui est le jour de la délivrance. Merci parce que tu es au rendez-vous, parce que c'est ton affaire. C'est ton affaire et tu as accompli l'œuvre à la croix pour que nous tous nous soyons délivrés. Amen. Merci parce qu'aujourd'hui, par la puissance de ton esprit, tes enfants vont marcher dans cette délivrance qui va devenir tangible dans leur vie. Je prie vraiment pour l'éveil spirituel. J'ai prié vraiment pour la révélation de ta parole. Que toi, Saint-Esprit, tu puisses te révéler à chacun de nous, Seigneur, lorsqu'on va amener cette parole. Seigneur Dieu, que toi seul, tu puisses éclairer chaque écriture dans notre cœur. Merci parce que tout ce qui va être dit aujourd'hui va porter de fruits dans la vie de toutes les personnes connectées. Amen. Et tu connais déjà des besoins à l'avance. Amen. Et tu es au rendez-vous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alors que tu priais, j'ai reçu une autre direction. on va partir d'Ésaïe 61. Vous voyez, dans Ésaïe 61, ici, on a déclaré que c'est la volonté de Dieu qu'on soit libéré. Puisque Dieu, il a donné cette promesse dans son livre, il nous a dit qu'il enverrait loin de l'Éternel, qui viendrait pour libérer les captifs et les prisonniers. Quand on lit dans ce verset d'Ésaïe 61, il dit « L'Esprit du Seigneur m'a mis à part pour, un, proclamer la liberté des captifs et la délivrance aux prisonniers. » Le Seigneur a attiré... Proclamer, j'aime. Oui, il n'y a pas de bataille dedans, en fait. C'est proclame. Pas la proclamation qu'on est libéré. Et vous savez, cette proclamation, c'est une parole. C'est justement là où le Seigneur m'emmène à l'instant. Il dit, lorsqu'on proclame, il y a une différence entre la captivité et la prison. On peut être captif sans être en prison. Mais oui. Tu vois? Oh oui. Il y a des gens qui sont captifs, par exemple, par l'alcool. Ou la drogue, ou des comportements addictifs. La maladie aussi peut vous emmener dans la captivité parce qu'elle peut vous handicaper. Oui. Quand la maladie t'interdit d'accomplir tous les jours tes tâches quotidiennes, même de tes enfants. C'est une captivité. C'est une forme de prison également parce que tu ne peux pas en sortir. Quand on est dans une prison, on ne peut pas accéder à l'extérieur. On se sent enfermé. Et la captivité, c'est le lien qui attache nos poignets et qui nous détient assis dans cette prison-là. Mais le Seigneur est capable de nous délivrer de ces deux choses. Et souvent, les captivités, tu sais, il y a un exemple que j'ai entendu dernièrement d'un éléphant. Tu sais, en Inde, il y a beaucoup d'éléphants. Et pour dompter les éléphants, ils commencent très tôt, quand l'éléphant est tout petit. Ils lui mettent une petite chaîne, tu sais, comme une chaîne de chiot ou de chaton. Oui. Et cette chaîne, quand l'éléphant est très petit, on lui met ça l'empêche de bouger. Et au fur et à mesure qu'il grandit, ça travaille son système. Il se dit que cette chaîne-là est le lien qui le garde en captivité. Il ne peut pas partir nulle part. Cependant, quand il est grand, il croit toujours. L'éléphant, il a la force de briser 1 milliard de ces chaînes-là en même temps. Sauf que dans sa pensée, il est retenu captif par ce qu'il a vécu. Parce qu'on lui a inculqué. Oui. Souvent, nos traditions, nos expériences de la vie vont nous garder en captivité. Tu vois. Et cette captivité, c'est elle qui nous assoit dans la prison où on est. Mais par la révélation de la parole de Dieu, les liens de nos pensées-là, les liens qu'il y avait dans nos pensées, ils vont tomber un à un. Parce qu'ici, d'ailleurs, Dieu dit qu'on proclame la liberté des captifs. La proclamation, ça fait appel à la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu, vous allez être affranchis dans les liens que vous avez dans votre pensée.
et la captivité va vous quitter. Vous allez courir pour sortir de la prison. Amen. Vous allez courir. Et maintenant, en tout ce qui concerne les prisons, il y a aussi une délivrance qui est là. Quand je vois la prison, je ne pense plus à la pensée. Je pense plutôt à ce qui nous limite. La prison, c'est physique. C'est comme physique, vois. Quatre murs. C'est ça, avec des grillages et tu tout. Tu ne peux plus parler plus que... Plus que ça. Mm-hmm. Et ça, les maladies, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, ça t'emprisonne. La pauvreté peut t'emprisonner. Mm-hmm. La pauvreté va te dire que tu ne peux pas accomplir les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Mm-hmm. La pauvreté va te dire que tu ne peux pas donner une meilleure éducation à tes enfants. Mm-hmm. La pauvreté va te limiter. Ça va être une forme de prison. Mais Dieu a prévu aussi la délivrance pour cette prison-là. Et aujourd'hui, si tu reçois la parole de Dieu, tu vas aussi sortir de là. On va révéler la parole de Dieu et on déclare que la liberté est là et la délivrance également. Les œuvres du diable, vous savez, sont multiples. Ce n'est pas juste la mort, par exemple. Hein, on sait que tous les hommes vont mourir, mais parce que tous les hommes ont péché. Dieu nous dit dans Romains 3, je pense, que tous les hommes ont péché et sont... je remets 3 à 23, c'est ça. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour ça que tous les hommes vont mourir. Mmh. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et dans toute cette malédiction que le péché a amenée, il n'y a pas que la mort, la maladie et tout. Il y a beaucoup d'autres limitations. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir se marier, le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants, le fait de chercher un travail depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et n'avoir aucune ouverture, ce n'est pas normal, parce que Dieu nous a promis la prospérité. Vous voyez, dans la malédiction liée au péché, il y a tout ça, en fait. Et cette malédiction-là, on a besoin d'en être délivré. Mais ce n'est pas la compréhension, à nouveau, qu'on va en être délivré. Mmh. Donc, le salaire du péché était la mort, et toute la malédiction qui vient avec. Si vous voulez lire ce que ça implique, la malédiction, vous allez dans Deutéronome 28, au verset 15 jusqu'à la fin. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Si vous voulez lire, moi, je vais passer aujourd'hui parce que je veux vous déclarer, je veux vous montrer qu'en fait, vous êtes déjà libre de toute cette malédiction. Mais dans ces versets-là, on peut lire que, par exemple, Dieu il dit dans Deutéronome 28, 15, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, donc le péché, si vous vivez dans le péché et tout, et que vous ne veillez pas à appliquer tous mes commandements, eh bien, les lois que je vous transmets, si vous les méprisez, il y aura des malédictions qui fondront sur vous. Donc voilà un lien direct entre le péché et la malédiction. D'accord ? Donc tous les hommes ayant péché, normalement, ils étaient tous voués à la malédiction. Et une de ces malédictions, c'est la mort. Okay. Mais Dieu avait prévu un secours pour l'homme. Dieu n'a pas voulu nous laisser... dans l'expérience de la malédiction, sans secours, comme tu dis. Dieu a voulu que nous soyons libres et réconciliés avec lui. Et depuis la Genèse, comme on a vu, il nous parle constamment du rachat, de la rédemption. Il avait dit à Ève qu'à travers elle naîtrait la postérité qui écrasera le serpent. Le serpent. Dieu la avait tête. Déjà prévu. Oui, c'est ça. Depuis le début, ça, c'est les premiers hommes-là. Ouais. Il avait déjà prévu un salut. Et dans toute la Bible, dans les livres des prophètes, dans toute la parole de Dieu, on voit la même promesse qui revient constamment. Mm-hmm. Et jusqu'à nous aujourd'hui, en 2024, Dieu ne veut pas non plus que nous soyons au bénéfice de la malédiction et du pas péché. Du tout. Il a compassion de nous et il avait déjà prévu une issue. Et cette issue, nous le recevons à travers le pardon de nos péchés. Il faut que nous soyons pardonnés afin que l'acte, comme tu l'as dit, l'acte qui nous condamnait, qui disait « oui, voilà, ils ont péché, donc voilà, il y a ça qui doit arriver », cet acte-là soit effacé parce que le péché a été pardonné. Donc Dieu n'a pas juste voulu dire « ah, c'est bon, venez vers moi, je vous pardonne ». Il est allé exécuter la sentence de notre péché. Là, on peut avoir une vraie confirmation de ces faits. Parce que Dieu, pourquoi je me dis que c'est vrai ce que tu dis, il n'a pas dit, ok, je vous pardonne et puis ça suffit comme c'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Parce qu'il savait qu'on avait un ennemi. Un ennemi qui va toujours revenir pour te dire, non, tu m'appartiens encore. Non, je te lis encore. Non, il n'a pas, ce n'est pas terminé. C'est pas fini. Mais il fallait que, même devant l'ennemi, il n'y ait plus rien, que le diable n'ait plus acté. À te culpabiliser, à te prendre, à t'accuser, en fait.
Il fallait que tout ça s'arrête. C'est pour cela qu'il faut toujours des preuves. Il a fallu que la délivrance soit totale. Mm-hmm. S'il avait juste dit « je vous pardonne », ça s'arrête là, ça ne serait pas une délivrance totale. Parce qu'il y aurait toujours quelqu'un qui pourrait toujours te réclamer. Mm-hmm. Aujourd'hui, le diable n'a pas le droit de te réclamer mm-hmm. parce que la délivrance a été exécutée, complète. Jésus est mort. Et oui, c'est ça. Et à travers sa mort, c'est la preuve qu'il a exécuté notre sentence de mort à nous. Tu vois, il a exécuté notre sentence de mort parce que c'était ça la sentence qu'on avait sur notre vie. Mmh. Et à travers lui maintenant, puisqu'il a exécuté toute notre sentence, eh ben, on est libre de cette sentence-là. Vous comprenez, c'est aussi simple que ça. Et donc, libre de toute la malédiction qui était Amen. Relative au péché. Amen. Donc, à partir du moment où vous avez été entièrement pardonné, vous n'êtes plus réclamé par les esprits des ténèbres et tout le reste, etc. Parce qu'ils n'ont plus de légitimité. Il y a un papier qui est sorti pour dire que, ah non, non, eux autres là, ils sont pardonnés. Donc, si vous avez été pardonné, vous n'êtes plus candidat à la malédiction liée au péché. Vous comprenez, vous avez déjà été blanchi d'une certaine façon. Donc, on peut juste vous ouvrir la porte et dire, sortez, vous êtes libre. Et le jour où on vous arrête dehors et on vous dit oui, mais tu vois, par exemple, un prisonnier, quelqu'un qui était en prison et qui a été libéré sous condition. Okay? Oui. Quand il se balade dehors, il a un papier qui le prouve. S'il se fait arrêter et qu'un policier lui dit « Non, toi, tu dois retourner en prison », il peut sortir son papier et dire que « Non, en fait, non. Ce papier montre bien que j'ai eu ma liberté conditionnelle ou que je suis en liberté, tout simplement. Mais c'est ce papier que Jésus nous a libéré à la croix. Donc, quand vous faites arrêter par la maladie, la pauvreté, la famine, les malédictions, et etc., souvenez-vous que vous avez déjà été libéré. Présentez le papier. Vous le présentez à travers votre déclaration, à travers votre proclamation. Quand vous voyez la maladie venir s'installer, vous pouvez lui dire que non, tu ne peux plus être ici parce qu'ici, on fait partie des rachetés. Tu ne peux plus nous réclamer. Aujourd'hui, c'est la vie qui m'a réclamé. J'appartiens à la vie. Et à partir du moment où vous appartenez à la vie, la malédiction est illégitime. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit, Pasteur Chamim, le verset que nous avons dit, qui dit « L'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour proclamer. Mm-hmm. » Et l'image qui est en train de revenir, vraiment, c'est cette proclamation. Mm-hmm. Et là, je vois, par exemple, l'autorité. On peut parler du pardon présidentiel, par exemple. Mm-hmm. La grâce présidentielle. Oui, exactement. Quand le président décide qu'il y a un prisonnier dans la prison... Mm-hmm. Même si ça fait je ne sais pas combien, même si c'est quel genre de crime que la personne avait fait, mm-hmm. dès que le président il dit « je lui accorde la grâce présidentielle », c'est annulé. Fini. Oui. C'est fini, mm-hmm. en fait. C'est ça. Ce prisonnier, et là, ça va être proclamé. Mm-hmm. Oui, et écrit c'est et proclamé. Écrit c'est ça. Et proclamé. Il n'y a pas de bataille là-dessus. C'est ça. Il n'y a pas que le président va prendre des armes pour aller te libérer de la prison. Il va juste déclarer. On dit, OK, voici ce que le président vient de déclarer à partir d'aujourd'hui, que telle personne doit sortir de la prison. Toutes les choses que la personne avait commises dans le passé, on met ça dans l'oubliette. Mm-hmm. Et c'est terminé. La personne va... sortir de c'est la ça. Prison. C'est et c'est ça. Cette grâce-là mm-hmm, qu'on a obtenue à la croix. Nous a donné, oui. en fait. Oui. Dieu nous a donné. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le diable n'a plus le pouvoir. Comme personne, comme tu disais, personne ne peut arrêter cette personne pour dire eh, pourquoi tu t'es malade là, tu devrais être en prison. Là, c'est ça. Mais il a été gracié. Il a été gracié, c'est ça. Tout. Sa sentence est déjà accomplie par quelqu'un d'autre. Amen. Donc, il est libre. Amen. C'est ça, on est libre parce que notre sentence a été accomplie par Jésus. Et dans cette liberté, on a le droit donc à ne pas être sujet aux attaques de l'ennemi tout le temps. Si vous êtes déjà libre, en quoi est-ce que les esprits vont venir vous réclamer, ceux qui sont avec les fautes de vos parents, vos arrière-grands-parents, les fautes des gens que vous n'avez jamais connus? Non, vous êtes libéré. Il n'y a aucune malédiction qui réclame Jésus. Il n'a jamais péché. Amen. Donc, quand vous êtes en Jésus, il n'y a aucune malédiction qui vous réclame parce que vous êtes en Christ. Vous avez été pardonné. Vous êtes aujourd'hui en Christ et Christ est en vous. Vous avez reçu une vie nouvelle. Et Jésus n'est pas réclamé par les malédictions générationnelles.
Il n'est pas réclamé. Quand il est allé à la croix pour mourir, c'est de son plein gré qu'il y est allé. D'accord ? C'est pas que les esprits ont tellement eu le dessus sur lui. Satan croyait, mais non. Il est ressuscité. Il est allé en fait à la croix. Pourquoi ? Parce qu'il devait exécuter notre sentence. C'est la raison pour laquelle Jésus est allé à la croix. Étant donné que nous avions péché, nous avons reçu le salaire qui était la mort et tout le reste. Et à la croix, Jésus a payé pour cette sentence-là. C'est pour ça qu'il devait se rendre à la croix. Et il s'y est rendu librement parce qu'il a choisi de venir lui-même de son plein gré pour nous sauver. Il est venu sur cette terre pour nous accorder la miséricorde. Il est venu sur cette terre pour nous libérer. C'est ce qui est écrit ici. Ouais. Il avait un objectif, son but. C'était de venir à la place de l'humain pour lui offrir la possibilité d'être libéré. C'est pour ça qu'il est venu en tant qu'humain. Et le Seigneur à la croix l'a parfaitement accompli puisqu'il est mort. Et puis, Amen. Et puis aussi, pasteur Chamim, ce qui est vrai est qu'on va avoir des attaques. Mm-hmm. On va en avoir des attaques. Comme on est en train de dire, il y a une personne qui peut arrêter la personne. Vous dites, pourquoi tu es en train de te balader librement? Tu devrais être à prison. C'est ça. Ça, c'est une attaque. C'est une attaque. C'est ça. C'est une attaque. Mais quand il y a l'attaque, Quand il y a l'attaque, qu'est-ce qu'on va faire? On montre la preuve comme quoi on a été libéré. Donc, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu ne peux plus me remettre à prison. Mm-hmm. Je ne peux plus retourner à prison. Donc, face à toutes les attaques, si aujourd'hui tu dis, moi, je suis attaqué par les esprits, je ne sais pas de quelle famille, ok, mais qu'est-ce que toi, tu fais face à cela? Mm-hmm. Ça existe. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas proclamer, tu vas parler de ce que le Seigneur Jésus, il a dit dans sa parole sur ta vie. Mm-hmm. Tu vas rappeler, je dis, hey, monsieur le diable là, tu t'attaques à la mauvaise personne. Il y a ma sentence qui a été payée. C'est Jésus ça. Qui a payé pour moi. Donc, tu n'as pas le pouvoir de m'arrêter. Mm-hmm. Et c'est pour cela que je t'ordonne de me laisser tranquille aujourd'hui dans le nom de Jésus et ne remets plus tes pieds sur mon territoire. Mm-hmm. Mon territoire, ma maison, ce territoire interdit. Tu ne peux plus mettre tes pieds là-dessus. Amen. C'est comme ça qu'on va agir. Donc, on ne va en pas... En cas d'attaque, c'est ça. En cas d'attaque. On ne va pas paniquer pour dire, hey, ils sont là et là, je suis fini. Parce que c'est ça la réaction. C'est ça la réaction de beaucoup de personnes. Et là, quand on va maintenant embarquer dans la peur, quand on est attaqué, et là, la peur va faire quoi? Elle ouvre la porte. Et là, les choses là peuvent maintenant entrer dans notre vie parce qu'on a agi. On a réagi avec la peur. Et là, on leur ouvre. Parce que la peur, c'est la porte de toutes sortes d'esprits mauvais. Mm-hmm. C'est comme ça. C'est ça. Donc, on va regarder sur la croix, sur ce que Jésus a fait. Il t'a déclaré libre et personne ne doit te dire que tu es encore prisonnière. C'est ça. Tu n'es pas en train de marcher dans l'identité de prisonnier ou de captif. Non, tu es libre. Amen, complètement libre. On va prendre le dernier verset de Romains 3 qu'on a lu tout à l'heure. Dans Romains 3, 23, on avait lu que tous les hommes ont péché et étaient condamnés. Mais au verset 24, il est écrit, « Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Vous voyez, là, c'est clair et net. Et c'est Dieu qui nous annonce comment on fait pour être sauvé de toutes ces malédictions. Il nous dit que c'est par le moyen de la croix, par Jésus-Christ. Nous avons la foi dans l'œuvre que Jésus est allé à la croix pour payer à notre place. Quand nous avons cette foi-là et que nous croyons et que nous lui donnons l'autorisation de payer pour chacun d'entre nous, à ce moment, nous recevons notre liberté et le diable n'a plus le droit de nous réclamer. Amen. Parce que le péché a été payé. Amen. Vraiment, je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il nous a accordé à la croix. Je veux déclarer que vous comprenez que vous êtes libérés, en fait, que la malédiction qui venait du péché, vous en êtes libérés parce que votre péché a été pardonné. Amen. Que vous compreniez que vous avez une nouvelle vie, une nouvelle identité. Amen. Les démons, quand ils voyaient Jésus, ils le fuyaient. Ils lui disaient, ne viens pas ici, fils de Dieu. Donc,
ayez cette compréhension qu'aujourd'hui vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle identité. Jésus est venu vous délivrer de toutes les œuvres de l'ennemi parce qu'il marchait sur cette terre en pleine liberté, en pleine délivrance. Il n'a pas été malade, il n'a pas été pauvre, il n'a pas été, tu comprends, la malédiction qui résulte du péché, il ne l'a pas portée. Il est juste allé porter notre sentence à la croix. Pour que nous, nous soyons libérés de cette sentence-là. Oui, 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 oui. Amen. Et on le bénit pour ce qu'il a fait. Et si aujourd'hui, vous comprenez ce que c'est l'œuvre de la croix et que vous aussi, vous voulez bénéficier de cette délivrance et de cette liberté, je veux vraiment prier pour vous. Vous avez juste à suivre mes mots et à faire une prière qui vient de votre cœur. Vous dites au Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai compris qu'en fait, la malédiction venait du péché que je faisais. Hein? La malédiction était collée à ma vie. Mais j'ai compris que toi, tu es venu payer à ma place afin que je sois libérée de cette malédiction. Tu es venu accomplir ma sentence. Et je te remercie de ce que tu l'as fait déjà à la croix. Je te donne ma vie. J'accepte ton sacrifice. Je veux recevoir la liberté que tu m'as acquise à la croix. Sois mon maître. Je te donne entièrement ma vie. Amen. Si vous faites cette prière-là, vous donnez donc l'autorisation à Jésus d'aller exécuter votre sentence à la place. Vous pouvez considérer qu'il l'a fait. Vous pouvez considérer dès aujourd'hui que vous avez été libéré de toute la conséquence du péché, la maladie, toutes les malédictions dans Deutéronome, là, vous pouvez les lire. Vous avez été libéré de ça et vous n'êtes plus censé être réclamé par les malédictions. Vous êtes aujourd'hui une nouvelle personne en Christ. Exact. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On va pouvoir prier pour vous. Amen. Pasteur Joël a fait une émission de Parole de foi aussi. Parole de foi, je pense que c'était la liberté des trucs générationnels, la délivrance des liens générationnels, chose du genre. Vous pouvez aller l'écouter, ça va aussi vous aider à comprendre que vous avez déjà reçu la liberté. Il faut maintenant juste que vous la saisissiez en montrant à l'ennemi qu'il n'a pas le droit de venir vous réclamer, d'accord? Donc vous êtes entièrement libre, vous pouvez écouter cette émission, ça va vous aider aussi. Donc nous, on va prier pour vous. Je vois que vous êtes nombreux à déjà avoir mis des requêtes de prière. Amen. Écrivez en lettres majuscules, s'il vous plaît. On ne va pas lire les requêtes en lettres minuscules parce que c'est trop petit, OK? Et il y en a plusieurs dans le chat. Donc on va prendre celles qui sont en caractère gras. Écrivez et nous allons piocher des requêtes et prier pour vous. Amen. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Amen. Seigneur. Parce que nous avons été libérés, nous pouvons prier aujourd'hui et faire reculer l'ennemi dans notre vie. Parce que nous avons été libérés, parce que tu as payé le prix de nos fautes. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre autorité et nous pouvons arrêter le diable dans ses manigances. Nous pouvons lui dire, tais-toi. Nous pouvons lui dire, nous te condamnons. Nous pouvons lui dire, nous ne t'appartenons pas parce que tu nous as libérés, Jésus. En toi, nous avons la plénitude. Nous avons la liberté. Nous avons la vie abondante. Et je te bénis, Seigneur, aujourd'hui. C'est toi encore, c'est en ton nom aujourd'hui que nous allons chasser les maladies. C'est en ton nom aujourd'hui que nous allons déclarer la liberté. C'est en ton nom que nous allons déclarer le succès. C'est en ton nom que nous allons déclarer la restitution. En ton nom, Seigneur, nous allons déclarer la force. Tout ce que tu nous as acquis à la croix, nous allons nous l'approprier en ton nom, Seigneur Jésus. Et je te bénis parce que ton nom est puissant. Parce que cette nouvelle identité que tu nous as donnée, elle fonctionne. Elle fonctionne. Nous allons la déguster. Nous allons la vivre pleinement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous faisons reculer toutes les ténèbres. Amen. Toutes les ténèbres dans la vie de tous ces internautes. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette grande famille qui nous suit à ce moment, que les ténèbres reculent de leur vie immédiatement. Amen. Au nom de Jésus. Je prie vraiment que les yeux s'ouvrent pour voir les petites chaînes attachées aux pieds et que ces chaînes soient brisées immédiatement dans le nom de Jésus. Yes. Qu'aucune de ces personnes, Seigneur, ne reste attachée à ces petites chaînes qui peuvent même rien faire. Amen. Au contraire, nous prenons autorité, autorité sur elles. Amen. Toute forme de chaîne, elle est brisée maintenant dans le
fardeau de Jésus, des chaînes, Seigneur, qui nous attachent au passé et empêchent tes enfants d'avancer. Ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Des chaînes qui représentent les maladies, des chaînes qui représentent de culture, de coutumes, des chaînes qui représentent des traditions. Elles sont brisées immédiatement dans le nom de Jésus. Mais nous accueillons ta culture, la culture du royaume. Que cette culture prenne place maintenant dans la vie de tes enfants aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va prier pour Alvin qui dit qu'elle sent quelque chose bouger dans son ventre alors qu'elle n'est pas enceinte. Amen. On va prier pour ça et elle dit qu'elle n'arrive pas à concevoir. Alvin, moi je crois que vous avez été libérée déjà de toute forme de captivité. Je veux refuser que vous soyez un instrument du diable qui peut venir bouger dans votre corps comme il le veut. Non. Ce ne sera pas votre partage. On va prier pour vous au nom de Jésus. Et moi je veux déclarer qu'aujourd'hui même, vous êtes libérée de ces mouvements que vous n'avez pas autorisé dans votre corps, là, dans le nom de Jésus. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre et on va prier comme si c'était la main du Seigneur lui-même qui la posait sur votre ventre. Et au nom de Jésus, je viens chasser toute forme d'esprit méchant ou toute forme, tout ce qui ne glorifie Amen. Pas le Seigneur et qui voudrait prendre possession de vous, je les condamne Amen. Parce que vous ne leur appartenez pas. Dans le nom de Jésus, vous êtes la brebis du Seigneur, vous êtes l'enfant de Dieu et en Christ aujourd'hui, vous êtes parfaitement libéré de toute cette chose. On déclare que cette chose se tait et quitte votre ventre dans le nom de Jésus. Vous ne vivrez pas avec ça. Mais je veux déclarer aussi que vous allez concevoir. Amen. La fertilité, c'est notre héritage. Oui, c'est ça. La fertilité, Dieu, lorsqu'il a béni Adam et Ève, c'est quoi la première chose qu'il leur a dit? Soyez féconds. C'est le désir parfait de Dieu et c'est aussi son décret sur notre vie. On veut déclarer que ce décret est efficace, que ce décret parle. Cette parole que Dieu a dit, sois féconde, cette parole-là aujourd'hui, on la proclame et c'est elle qui vient t'affranchir de la stérilité dans le nom de Jésus. On déclare que tu es fertile, que tu es féconde dans le nom de Jésus et que même cette année, tu puisses concevoir et sentir dans ton corps que le Seigneur t'a libéré dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Il y a Tony qui parle des vertiges. Est-ce qu'on va prier pour Tony? Oui. Tu veux? Merci Amen. Seigneur Kora Jésus. Mama. Merci Seigneur Jésus parce que tu te préoccupes de chaque situation. On chasse cette vertige maintenant dans le nom de Jésus. Que tout soit rétabli dans le corps de Tony. Amen. Immédiatement au nom puissant de Jésus. Vertige, tu quittes ce corps au nom puissant de Jésus. Maintenant, Tony, il se sent bien. Amen. Il peut se lever, se tenir debout. Yes. Il marche. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous brisons toute œuvre du diable dans la vie de Tony au nom puissant de Jésus. Amen. Nous anéantissons toute puissance nuisible dans le corps de Tony. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci. De la même façon, on peut prier pour... merci Jésus pour... Dieu fait justice et dit que la fatigue quitte son corps. La fatigue te quitte. La même prière qu'on a faite pour Tony, on veut déclarer aujourd'hui que tu es restauré, mon frère, que tu es restauré, que Dieu te visite. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de force. L'Esprit de force vient ceindre ton corps maintenant. Il vient te fortifier dans le nom de Jésus. On veut déclarer que dans les prochaines semaines, tu vas te rendre compte que tu reprends des forces dans le nom de Jésus. Et mange bien et dors bien aussi parce que des fois, quand on néglige, tu sais, la santé... Les autres aspects. C'est ça. On peut demander l'onction de Dieu pour guérir de certaines choses. Mais lorsque Dieu nous a donné la santé, c'est un capital. Il faut l'entretenir, en fait. Il faut l'entretenir. Donc, sois toi-même un bon gestionnaire
de la capacité que Dieu t'a donnée à travers la santé. Mais on veut déclarer que tu manges bien, que tu dors bien. C'est peut-être une parole de connaissance pour toi, que ton alimentation est adaptée et que tu dors, tu passes des nuits réconfortantes, des nuits qui t'apaisent dans le nom de Jésus, que ton sommeil est avec toi dans le nom de Jésus. Et puis, quand on a des vertiges aussi, je sais que tu es guérie, c'est parti. Amen. Mais comme pasteur Chabib vient de le dire aussi, de ne pas négliger d'autres aspects parce qu'on ne veut pas que ça revienne encore et encore. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour Barbara, Barbara, on déclare avec toi la guérison d'Ornella. Amen. Dans le nom de Jésus. Kamel, on va prier pour ton fils. Tu dis que ton fils tousse, on va prier pour lui. Amen, on va chasser la toux. Amen. Oui. On chasse, on proclame qu'il est libéré. On chasse la toux au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci. Parce que cette toux, elle quitte maintenant dans le nom de Jésus. Tu laisses tranquille le fils maintenant au nom de Jésus. La toux, tu sèches. Amen. Nous t'ordonnons maintenant de sécher immédiatement et complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me rappelle quand mon fils avait de la toux. Je pensais justement à ça. Oui, c'est ça. Quand il était plus jeune, il avait souvent des infections respiratoires, mais il a été guéri. Il a été guéri complètement. Libéré. Aujourd'hui, il va bien. Je n'attends plus ça. C'est ça. Amen. Et puis, je lui avais justement appris vraiment à commander la toux lui-même. Que la toux passe, parce que ça restait des mois et des mois. Et un jour, il est revenu à l'école, il dit, maman, je ne tousse plus. Amen. Maman, je ne tousse plus. C'est ça. Donc, si vous êtes souvent sujet aux affections respiratoires, chassez-les. Dès que vous vous sentez touché, vous chassez. Ouais. Puis vous allez voir. Comme dit la parole, tu résistes à Satan et il s'enfuira loin de toi. Donc, prenez votre autorité aussi pour chasser les choses que vous ne voulez pas voir dans votre vie. Et apprendre, si nos enfants sont jeunes, il faut leur apprendre à prendre l'autorité. Tu sais, pasteur Chamib, quand ma fille vient pour me dire qu'elle a mal, la première question que je lui pose... Est-ce que tu as prié? Exact. C'est ça. C'est important. Avant de me demander une médication, je veux te lui dire, as-tu commandé cette chose-là de quitter? C'est ça. Et là, je veux lui dire, va d'abord faire ça, et puis tu reviens. C'est comme ça. C'est ça. Donc, je les apprends, eux aussi... à prendre l'autorité et à ne pas toujours dépendre aussi de la médication et de la prière de maman. C'est ça. On a le même esprit. C'est ça. Le même esprit qui est à toi, il est aussi à moi. Amen. Tu peux chasser cette maladie, tu peux chasser le mot des têtes et ça va disparaître. Au nom de Jésus, c'est ça. Le nom de Jésus est fort et puissant. Comme on disait tout à l'heure, son nom est élevé au-dessus de toute forme de malédiction ou de maladie. Donc, en son nom, on peut avoir la victoire sur toutes sortes de choses. Et ça fortifie la foi de nos enfants. De nos enfants. Parce qu'ils voient les choses se produire. Comment on va évangéliser nos enfants? On va évangéliser nos enfants en les apprenant comme ça quand même que la puissance de Dieu a fait. C'est comme ça que toi aussi tu peux parler. C'est une parole pour quelqu'un. Oui, toi aussi tu peux parler. Et je l'ai vécu vraiment beaucoup. Mon fils, ce jour, il avait vraiment mal à la cheville. Il n'arrivait pas à marcher. Et là, c'était état de méditation. Je lui dis, tu vois, c'est l'heure de méditation. Et puis là, il disait, il a parlé à Jésus. Il dit, Jésus, parlez-moi. Manifeste-toi. Et la chose qui s'est produite, sa cheville, sur laquelle il n'arrivait pas à marcher, c'était douloureux. Elle a été guérie. Il a été guéri. Amen. Il est venu à courir et dit, amen. Je suis guéri. Donc, c'est une parole de connaissance pour un parent d'apprendre à nos enfants. C'est ça. De vraiment utiliser aussi leur autorité. Ouais. Amen. Alléluia. Regarde, on a une autre requête ici. Nad Soleil, qui parle aussi d'endométriose, adénopron. Elle a du mal à avoir des enfants. Ça fait 3 ou 4 requêtes qui reviennent par rapport à la fertilité. Bon, on va vraiment prier pour ça aujourd'hui. Alors, en plus, vous avez 2 mamans de 4 enfants. Moi, j'en ai eu 4 aussi, comme toi. On sait que c'est possible. Et puis, il y a tellement de bonheur à être. Moi, la maternité, ça m'a... Je ne sais pas comment dire. C'est tellement une belle aventure. Ça a complété le fait d'être une femme. Je le souhaite à
toutes les femmes d'être oui. mère. Oui. C'est une expérience extraordinaire, vraiment. Et je crois aussi que si Dieu nous a fait naître en tant que femmes avec un appareil qui a déjà des semences, on est avec nos semences. Moi, je crois que c'est parce que Dieu voulait qu'on ait des enfants. Il avait déjà désiré que tu sois mère. C'est pour cela qu'il t'a fait naître avec la semence que tu portes. Parce qu'il t'appelle à la productivité, il t'appelle à la multiplication. Vous savez, dans le livre de la Genèse, Dieu, il avait fait des arbres qui portaient leurs semences en eux. Et il a dit aux hommes de consommer les choses qui portent une semence. Parce que Dieu nous appelle à la multiplication. Amen. C'est son désir le plus visible dans Genèse 1, Genèse 2. On voit que Dieu nous appelle à créer, à multiplier. Vous voyez ? Alors Amen. Donc, vraiment, relisez ces passages-là. Et souvenez-vous que si vous êtes née femme avec tout ce qu'il faut, amen, c'est que Dieu avait déjà pourvu pour cette vision-là. Et refusez les paroles qui vont vous dire que vous n'allez pas y accéder. Parce que Joël a parlé sur le live de guérison dernièrement d'un témoignage d'une dame qui est tombée enceinte. Et moi aussi, j'en ai entendu souvent des témoignages du genre. Elle n'avait pas d'utérus. Oui, c'est ça. Oui. Donc, oui, quand on a dit oui. à son mari qu'elle était enceinte, il dit, mais voyons donc. Comment ça? C'est juste pas possible. J'en ai entendu des témoignages comme ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu, en réalité? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Toutes les possibilités. Amen. Donc, aujourd'hui, on veut déclarer que c'est possible pour vous d'être papa et d'être maman. Également, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand on prie dans cette direction, on sait qu'on est en plein dans la volonté de Dieu. C'est notre héritage. Justement, le salut que Christ nous a donné là, ça contient le fait d'être parent, si vous le désirez. Tout ça, c'est pour vous, en Amen. Fait. Dans le nom de Jésus, Amen. Le salut, ça vous rend candidat à ça, à la vie abondante. Qu'est-ce que vous voulez de Dieu? C'est disponible et puis, selon et puis, sa parole. Pasteur Chamim, il y a une chose que j'ai compris avec Dieu. Dieu ne te demandera pas de choisir. Quand tu as des requêtes de prière, mm-hmm. là, on va économiser. Il faut que tu choisisses. Parce que des fois nous, les humains, on va faire ça. C'est comme si tu veux ça, Pasteur Chamim, tu veux ça. Et puis là, tu vas dire, il faut que je choisisse ce qui est la priorité. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends Dieu nous je... a tout donné, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Il ne s'attend pas à ce qu'on prenne juste un peu et qu'on laisse le non, reste. Non, il est concerné par tous les Amen. Détails. Il ne va pas te dire, ça c'est moins important, ça c'est plus important que ça. Et aujourd'hui, parce que ça ne marche pas aujourd'hui, là, mon budget n'est pas vraiment, alors fais ceci. Amen. Dieu ne fait pas ça. C'est ça. Donc, toutes nos demandes, mm-hmm. sont prioritaires aussi, mm-hmm. sont accueillis. Amen. Dieu n'a pas l'ordre prioritaire pour dire ça, c'est non. Non. Ça, c'est important, ça c'est pas important. Non, il n'en a pas. Amen. Il est concerné par tout le détail. Amen. Donc, d'accord. à un moment donné, si tu as cru que peut-être ça, c'est pas important pour aujourd'hui ou pour Dieu, peut-être tu devrais prier différemment, c'est pas du tout comme ça. Présente tout ce que tu veux à Dieu. Tu as besoin des enfants. Présente à Dieu cette requête-là. Mm-hmm. Tu as besoin, je ne sais pas, d'une voiture. C'est correct. Mais oui. Tu as besoin d'un enfant, deux, trois. Quatre. C'est correct. Amen. C'est Donc, ça. Tout est correct. Ne sois pas Amen. Dans la culpabilité. Mm-hmm. Tu sais, Pasteur Chamim, j'ai déjà été dans la culpabilité à cause de l'argent. Là, je dis, peut-être que je ne devrais pas prier comme ça. Tu préfères demander l'onction? Oui, c'est ça. Je devrais demander plutôt l'onction. L'onction de Dieu sur ma vie. Demande la paix à Dieu. Par L'essentiel connaît la paix. As-tu déjà non, été oui, oui. écouter de ce genre de choses? C'est ça. Mais la paix... Toutes les requêtes sont légitimes, en c'est fait. C'est ça, fait. Si Dieu est venu pour rejoindre nos besoins, il est venu pour pourvoir à tous nos besoins, comme un parent. Oui. Quand nous, on pense à nos enfants, eh ben, on pourvoit pour tout. Les vêtements, la nourriture, les vacances. On ne leur dit pas, non, t'as mangé hier déjà, pourquoi est-ce que tu veux manger aussi aujourd'hui? Ou bien, si tu manges à la maison, bon exemple. Tu n'iras pas en vacances. Bon exemple, Pasteur Chamim. C'est ça. T'as mangé hier. Mm-hmm. Tu vois ça? C'est ça. T'as mangé hier, donc aujourd'hui, tu devrais passer... Tu devrais jeûner. Donc, c'est un bon exemple, c'est une belle image pour dire que Dieu ne te dira pas que ça, tu l'as demandé hier, tu ne devrais plus le demander. Aujourd'hui. Non, Amen. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Amen. Chaque jour, nous avons des yes. besoins et Dieu va se charger de ce besoin oui. chaque
jour. C'est son rôle de parent. Eh oui. Amen. Alors, on veut tout les déclarer enfants, oh, la merci, fertilité. Merci Seigneur, parce que tu as des enfants au ciel. Amen. On le veut par ici. Amen. On va déclarer la fertilité sur vous. C'est vraiment le désir de Dieu. Moi, je veux aussi déclarer que votre foi est Amen. Ferme par rapport à ce désir d'enfant, que votre foi ne faillit pas, qu'aujourd'hui vous retrouvez une parole qui va vous ramener dans le Amen. Combat de la foi Amen. Pour vos enfants. Oh, Dieu Rabba vous a promis des enfants. Il a dit, tu es fécond. Il dit, je l'ai béni. Dieu l'a béni et dit, soyez fécond. Dieu l'a déclaré sur ta vie. C'est son décret. Aujourd'hui, on veut encore le décréter sur ta vie également. On proclame que tu es féconde, que tu es fécond, mon frère ou ma sœur, que tu as 1, 2, 3 enfants selon ton désir et selon la volonté de Dieu sur ta vie, tu reçois parfaitement. Dans le nom de Jésus, on condamne la stérilité. On veut lier la stérilité dans ta vie. On lie les esprits d'infertilité dans ta vie. On lie les pensées d'infertilité dans ta vie. On veut lier tout ça et déclarer que tu es productive, que tu es fertile, que en cette saison, alléluia, le jardin fleurit. En cette saison, ton jardin parental fleurit. Dans le nom de Jésus, tu deviens papa de gloire, une maman de gloire. Dans le nom de Jésus, alléluia. Moi, je veux déjà déclarer surtout qu'il n'y a pas de limitation dans votre pensée. Dieu ne vous a pas appelé à être stérile. Dire par exemple, oui, je suis déjà mariée, donc c'est correct. Si je demande encore les enfants, est-ce que je ne fais pas trop? Mais Dieu, c'est le il fruit est pour. Du mariage. Donc. Amen. Il est pour ça. Ne faites pas de compromis. C'est la parole que l'évangéliste Merveille avait tout à l'heure. Ne faites pas de compromis dans vos demandes. Ne mettez pas d'ordre dans vos demandes. Libérez tout devant le Seigneur. Il dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Tous vos besoins par des prières. Alors on déclare que vous êtes prompte à aller réclamer auprès de Dieu votre héritage dans le nom de Jésus. Et puis condamner tous les esprits qui veulent dire le contraire de la parole de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Merci Bien. Seigneur pour tous ces enfants. Peux-tu donner dans le nom de psaume Jésus. 128 mm-hmm. Quand tu parlais de papa qui veulent des enfants, c'est le psaume 128 qui Amen. Est venu... Dans ton esprit. Oui. C'est quel... Ok. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains et tu es heureux et prospère. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel le bénira de Sion et lui enverra le bonheur de Jérusalem tous les jours de sa vie. Tu verras tes fils et les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Psaume 128. Alléluia. Voilà une parole avec laquelle vous pouvez faire le combat de la foi. Ça veut dire que tous les jours, vous mettez votre foi dans cette parole, que si le Seigneur l'a relâchée pour vous, elle va s'accomplir. C'est une parole de famille. Amen. C'est ça. Ça parle que tu prospères enfant, déjà dans tes affaires. C'est ça. Et ta femme, tes enfants, c'est Amen. C'est une Toute parole pour un chef de famille. Amen. Amen. Recevez cette parole dans le nom de Jésus et déclarez-la. N'oubliez pas de la déclarer. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe 61 qu'on proclame la liberté. Elle se proclame. Que votre bouche soit votre instrument de victoire. Vous savez, la parole de Dieu est puissante, mais votre bouche doit être remplie d'elle si vous voulez voir la puissance se manifester. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a Gabriel Marquet qui dit, nous voulons encore et encore des enfants. Amen. Pour toi, papa d'amour, recevez-le dans Alléluia. Le nom de Jésus. On recevez s'accorde avec vous. Des plusieurs, des douzaines. Amen. des douzaines. Vous allez faire des tribus. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on va prier pour Viviane aussi, qui parle de la dépression. Et puis, pour toute personne, si vous êtes aujourd'hui souffrant dans votre corps, mais plus au niveau émotionnel, affectif ou psychologique, si vous subissez le burn-out, donc la dépression ou l'épuisement professionnel, si vous subissez de l'anxiété, des phobies, des TOC, toutes sortes de choses psychologiques, schizophrénie et tout. J'ai entendu une dame qui m'a envoyé une requête dernièrement et... Ça m'a fait tiquer parce que la dame, elle a dit « Oui, je veux vous avouer, l'envoyer par écrit. » Aussi, vous pouvez envoyer vos requêtes par écrit hein, à prière@eglise-la-victoire.com. Okay. Donc, elle m'a envoyé, elle dit que « Je veux vous avouer
que je souffre de la schizophrénie. Je n'ose pas en parler à mon église ou aux gens autour de moi, mais j'ai besoin de prières pour sortir de là. Il y a des gens qui vivent des troubles, qui sont attaqués dans leur santé mentale et qui en ont honte, qui n'osent même pas aller demander une prière ou bien aller apporter ça devant le Seigneur. Mais il ne faut pas avoir honte. C'est une maladie communautique et quand avait une jambe coupée, est-ce qu'elle aurait honte d'avoir eu ou bien une maladie XY, autre? Mais la maladie, c'est une maladie, point. Quelle que soit la maladie et la souffrance, on va la chasser dans le nom de Jésus. On la refuse et on la condamne. N'ayez pas honte. Moi, déjà, je veux enlever cet esprit de culpabilité. Pour toute personne qui subit aujourd'hui la dépression, des fois, les gens, quand ils sont en dépression, ils se condamnent. Ils disent, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas assez de volonté. Tu sais, la culpabilité vient encore s'ajouter dessus et ils ont du mal. Je veux chasser cet esprit de culpabilité. Pour toi qui subis de la dépression ou de l'anxiété ou etc., je chasse la culpabilité de ta vie. Je la chasse. C'est Satan qui culpabilise. Dieu n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te sauver. Et alors que le Christ a déjà tout accompli à la croix, je veux déclarer qu'aujourd'hui, tu es libéré de toute forme de maladie psychologique, de toute forme de maladie mentale. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ton héritage. Amen. À chaque fois que Jésus a vu quelqu'un qui était sous une oppression démoniaque, il a chassé les œuvres du diable. On chasse ces œuvres-là dans ta vie. On déclare la santé restaurée. Ta santé mentale est restaurée. On déclare que tu retrouves la vigueur, que ton cœur brisé est restauré sous l'onction du Seigneur Jésus. Reçois la et saisis-le. Dis, mon cœur est restauré, mon âme est restaurée sous l'onction de Jésus. Tu refuses ce diagnostic de maladie. Tu dis, maladie, je te chasse de ma vie. Je ne te veux pas. Tu quittes mon identité. Je ne suis pas ton esclave. Je ne suis pas ton enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis à Christ et en Christ, je ne suis pas malade. Déclarez que vous êtes libérés dans le nom de Jésus. On veut déclarer que vous ne subirez plus ces maladies, ni vous, ni vos enfants. On veut couper le lien aujourd'hui, le lien générationnel de toutes ces maladies. On les coupe, ça s'arrête à la croix. Dans le nom de Jésus, ça s'arrête et vous recevez un nouvel héritage de santé pour vous, pour vos enfants et les enfants de tes enfants. Dans le psaume 128, ça parle de tes enfants et aussi de tes petits-enfants. Tous ceux qui descendent de toi, on déclare qu'eux aussi sont touchés par la santé divine. Dans le nom de Jésus, réclamez votre santé. Ne restez pas avec des maladies. Comme je dis des fois, c'est des sièges des ténèbres. Ne tolérez pas, ne donnez pas des sièges aux ténèbres dans votre vie. Chassez, cassez les trônes de ces maladies-là. Renversez ces trônes et recevez la paix, la grâce dans votre esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Pour Lina aussi, à partir de cette prière, tu peux prier pour ton fils. Hein, tu peux prendre cette parole et prier pour ton fils qui souffre de dépression. Tu as une autorité en tant que maman. Tu peux la manifester et appeler sa guérison. Amen. Le Seigneur va faire une œuvre avec lui dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Kéria machandana yosa. Kéria papapa yosha mamamai. Heli mamamamamai. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour la liberté, alléluia, merci Seigneur, merci pour la guérison, alléluia. Dieu veut dire à ces personnes qui, à ce moment, vous avez des problèmes justement, amen, mental, bateau, des défis à ce niveau-là, qu'il vous aime. Amen. Je ressentais vraiment l'amour de Dieu pour vous. Amen. Je vous aime. Dieu vous aime. D'un amour éternel. Et ça, n'en doutez même pas. Ne doutez pas de l'amour de Dieu dans votre vie. Amen. Peu importe le défi, ne doutez pas de l'amour. Il dit, je vous aime. Vous êtes aimé par Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur que ton amour touche aujourd'hui. Que ton amour touche chacune des personnes qui sont présentes.
Que ton amour les enveloppe, Seigneur. Que ton amour aujourd'hui restaure et délivre. Dans le nom de Jésus, restaure et délivre. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Namakanda rayasa. Koria bababai. Alléluia. Berthe, on va prier pour vous. On veut recevoir avec vous la liberté. Hein, parce que vous vivez sous une forme de prison, dans la douleur du dos, la douleur des hanches. Donc vous avez du mal dans vos mouvements. On veut déclarer que cette prison-là, les murs tombent dans le nom de Jésus. Les murs de la douleur lombaire tombent dans le nom de Jésus. Les murs des douleurs des hanches tombent dans le nom de Jésus. On appelle la restauration de votre hanche, de votre colonne vertébrale dans le nom de Jésus. On déclare la liberté de mouvement sur vous. Dans le nom de Jésus, on condamne toute forme de paralysie, tout ce qui constituait des freins dans votre vie pour vous empêcher de vivre votre liberté. On veut les condamner aujourd'hui. Au nom de Jésus, on déclare la liberté pour vous à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel, dans votre travail aussi, la liberté de choisir, la liberté de vivre. Amen. La liberté d'exécuter les projets que Dieu a pour vous dans le nom de Jésus, parce que Dieu n'a pas voulu que vous soyez assise, sinon il ne vous aurait pas donné deux jambes. Dieu n'a pas voulu que vous soyez acculé par les maladies des hanches. On déclare que vous allez marcher, que vous allez courir. Dans le nom de Jésus, cette douleur cesse maintenant. Dans le nom de Jésus, le handicap recule dans votre vie. La jambe droite, elle est appelée à la restauration. À la restauration, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus, toi qui allais de lieu en lieu, tu marchais en toute liberté Seigneur Dieu, tu avançais, tu marchais d'une région à l'autre Seigneur, ton corps marchait parfaitement, et c'est pour cela qu'aujourd'hui je déclare que Berthe aussi est restaurée, tout comme toi Seigneur, elle a la liberté de mouvement. Elle peut aller là où le Seigneur l'a désiré. Elle peut aller là où elle veut aller. Dans le nom de Jésus, on déclare la liberté sur elle, la liberté complète dans le nom de Jésus. Alléluia. Karama sante nayosa. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. On peut prier pour Laurence aussi, qui dit qu'elle a une dermatite dans les sourcils. Laurence, vraiment, je veux déclarer que le Seigneur vient auprès de vous aussi. Parce que souvent, les affections qu'on a sur le visage, ça nous amène dans l'isolement. Parce qu'on pense que les gens ne voient que ça. Donc, vraiment, je veux déjà chasser l'esprit de honte et d'isolement dans le nom de Jésus. Alléluia, je veux venir contre cette dermatite et déclarer que votre peau est restaurée. Je condamne les infections, toute forme d'infection, d'irritation, dans le nom de Jésus. Que votre sourcil est restauré pleinement. Votre visage vous est rendu dans le nom de Jésus. Notre visage est notre identité aussi. Hein? C'est carte d'identité sur les passeports et tout. Avec quoi on nous identifie? Notre visage. Amen. Notre visage. Et Dieu veut que ton visage soit parfait, sinon il n'aurait pas créé comme ça. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ton identité t'est rendue. Amen. Que ta peau est parfaite. Elle est belle. Elle est restaurée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, toi qui guéris les plaies et les maladies. Alléluia. Tu restitues Lina dans le nom de Jésus. Alléluia. Mama ma chanta nayo. Kiria papa payose. S'il vous plaît, mettez des requêtes personnelles. On veut vous appeler aussi à témoigner lorsque vous recevez votre guérison. Alléluia. Écrivez à témoignage@eglise-la-victoire. On va pouvoir prendre votre témoignage et le lire pendant les émissions pour que d'autres aussi soient bâtis dans la foi. Amen. Évangéliste Merveille, on a deux requêtes pour le couple. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont parlé du couple. Est-ce que tu veux qu'on prie? On va prier pour la restauration des mariages, pour Coraline et d'autres personnes qui ont prié pour le couple. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, le couple est essentiel, la famille est essentielle devant Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour tous les couples à ce moment qui ont des défis, qui traversent des moments difficiles, des tempêtes. Toi qui es
le calme, quoi qu'il y ait la paix. J'appelle la paix, Seigneur, sur ces familles, sur ces maisons, sur ce foyer. La restauration, Seigneur, tangible dans le mariage aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toi seul, tu t'occupes de toutes les situations. Que tu ramènes, Seigneur, cet amour, cette flamme, comme au premier jour. Seigneur, je prie que tu apportes la révélation, Seigneur, dans ce couple. Que toutes sortes de sources de disputes, de discordes, de problèmes puissent s'arrêter. Que les portes, Seigneur, par lesquelles les esprits de disputes, de séparation sont passés, que ces portes se ferment immédiatement dans le nom de Jésus. Et nous chassons tout esprit de division, tout esprit de divorce, de séparation. Nous chassons ces esprits autour des foyers de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Mais que tu mettes des garde-fous, Seigneur Jésus. Amen. Que tu couvres ces familles Amen. Par ton sang, afin que tout projet de l'ennemi contre ce mariage tombe dans l'eau aujourd'hui, puisse disparaître complètement dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur. On prie pour Julie aussi. On a prié contre les maladies de peau dernièrement. On prie aussi que vous soyez restaurée, ma sœur Julie, dans le nom de Jésus. Que votre peau est restituée. Alléluia. Elle est belle, elle est élastique, elle est saine. Il n'y a plus de traces de démangeaison, de sécheresse dans le nom de Jésus. Seigneur, toi qui guérissais les lépreux partout où tu allais, Seigneur, qu'est-ce qui t'est impossible? Tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur, car tu guéris la peau aujourd'hui à tous les niveaux, de la tête aux pieds. Si vous avez des affections de la peau, on veut déclarer aujourd'hui une restitution de votre peau, de la santé de votre peau, dans le nom de Jésus. Elle est restaurée, elle est lumineuse, elle est magnifique dans le nom de Jésus. Parlez à votre peau. Passez la main, dites, ma peau, tu es belle. Ma peau, tu es magnifique. Ma peau, tu es restaurée. Déclarez des bonnes choses sur votre peau. Le roi David, il disait, je rends grâce au Seigneur de ce que je suis. Une créature si merveilleuse dans le psaume 139. On peut déclarer qu'on est dans notre corps des créatures merveilleuses. Déclarez sur votre peau qu'elle est merveilleuse, qu'elle est parfaite, qu'elle est belle. Appelez à l'existence les choses que vous voulez voir. Amen. Manifestez votre foi. Amen. Donc Dieu peut guérir aussi les problèmes de peau. Il n'est pas contre. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la restauration. Pour toute personne qui a de l'acné. Si vous avez une acné chronique, des fois même sur le corps, dans le dos et tout. Et puis vous vous sentez honteux. Vous ne savez pas comment vous en débarrasser. On veut déclarer que l'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. Et que du jour au lendemain, cette acné disparaît complètement. Amen. Maintenant. Dans le nom de Jésus. C'est une forteresse qu'on veut briser aujourd'hui. On déclare que vous n'êtes pas prisonnier de l'acné dans le nom de Jésus, mais que vous êtes libéré dans la santé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour les jeunes, les adolescents. Si tu souffres d'une acné chronique, tu es un adolescent, comme une parole dans mon cœur, et puis tu mets même des lunettes des fois pour te cacher en fait derrière toutes ces maladies. Dans le nom de Jésus, je déclare que le Seigneur te voit, que le Seigneur te voit et qu'il vient vers toi aujourd'hui. Il ne veut pas que tu vives de cette façon. Il manifeste sa compassion envers toi. Aujourd'hui même, tu es libéré de cette maladie, de cette acné. On la condamne. Elle est illégitime sur toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été appelé à la vie et à la liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'acné te quitte dans le nom de Jésus. Tu es restitué entièrement dans ta santé, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la liberté. Merci Seigneur pour la liberté. Alléluia, Ramakanto. Oh, vas-y. Il y a une dame qui parle de la délivrance de la sorcellerie. On est en plein dedans. Que les sorciers quittent. Amen. On les chasse. Elle, vous êtes déjà délivrés. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez fait de Jésus on votre a parlé de tout. Seigneur, oui. Vous êtes délivrés puisque c'est lui aujourd'hui qui règne sur vous.
Où est-ce que le sorcier va venir vous prendre dans la main de Dieu? Mm-hmm. Amen. Où est-ce qu'il va venir vous prendre dans la prunelle des yeux de Dieu? Dieu dit qu'on est, on est comme la prunelle de ses yeux. Ayez cette conviction dans votre cœur que le sorcier ne peut rien contre vous. Parce que vous êtes en Christ. S'il devait vous faire quelque chose, il faudrait qu'il vienne vous toucher dans les yeux de Dieu. Amen. Vous êtes protégés. Sous l'aile du Seigneur, vous êtes protégés. Prenez le psaume 91 et méditez-le. Méditez-le. Méditez le fait que lorsque vous êtes sous, vous êtes tout près de Dieu, oui, vous êtes sous son aile, sous sa protection. Amen. Rien ne peut vous arriver. Oui. Dieu est le Créateur. Oui. Le sorcier, c'est une créature. Oui. N'ayez pas peur des créatures. Ayez confiance dans le Créateur qui vous a appelé. C'est vraiment comprendre l'autorité et notre position. Notre position. C'est ça. Le fait que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et qui nous sommes. Mm-hmm. Et l'autorité que nous devons exercer. C'est ça. Ces trois choses sont tellement importantes. Et puis, beaucoup de gens, justement, ont peur de beaucoup de sorciers. C'est comme, oh, les sorciers. Les sorciers dans et ma puis, famille. On va trembler, on va trembler, on va trembler. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'orgueil, mais moi, je ne tremble plus devant ces choses-là. Oh non, mais c'est nous qui devons même chasser ça. Exactement. Les sorciers tremblent devant vous parce que vous venez avec la puissance de Dieu lorsque vous êtes debout. Tu sais, parce que j'ai entendu des témoignages des témoignages vrais ou de personnes on a voulu leur faire du mal. C'est ça. On a amené leur nom chez le marabout, mm-hmm, chez les quoi. Et mm-hmm, puis les marabouts ont dit on ne peut pas toucher à cette personne. C'est ça. À cause qu'elle est chrétienne, mm-hmm, à cause de Jésus, à cause qu'elle prie. Ces personnes-là savent, mm-hmm, leur autorité, mm-hmm, et savent qui elles sont. Mm-hmm. C'est ce que Pasteur Chami veut dire. Il dit les sorciers là ont peur de nous. Quand on cite ton nom, il faut que le sorcier dise cite pas ce nom là, cite pas ce nom ici. Parce qu'ils savent que lui là, si j'essaie de faire quelque chose, ça va ils se retourner à Dieu. Contre. Exactement. Exactement. Donc, votre délivrance a déjà été accomplie. C'est à vous de marcher dans la, sous l'abri du Très-Haut et d'avoir la conviction que vous êtes protégé. Ayez cette conviction. Si vous êtes convaincu que l'ennemi, le sorcier va vous avoir. Il va vous avoir. Ah, il va vous avoir. Exact. Parce que ça commence par la pensée. Mmh. Il dit que la foi, c'est ce que tu espères. Amen. Donc, si tu n'arrêtes pas de te dire le sorcier va m'atteindre, bon, ben tu vas aller. C'est comme si direction. Tu espères déjà qu'il va t'atteindre ça. Et ça va. Et tu va es déjà arriver. Paniqué oui. Parce que dans ta tête, il t'a déjà atteint. Donc, ne soyez pas troublés, mes frères et sœurs. Ayez confiance en notre identité. J'ai un petit témoignage qui va vous aider aussi. Je me souviens de ma mère. Ma mère est décédée il y a 4 ans, mais à l'époque, elle avait eu un accident de voiture en allant dans son travail, dans un village, en fait, au Bénin. Et le monsieur qui était le médecin de zone de ce village-là, il a parlé, c'était un ami de ma mère, puisque ma mère était médecin aussi, donc ils se connaissaient dans la pratique et tout. Et puis, après, quand ma mère s'est relevée de là, elle l'a appelé, elle dit, mais je t'ai pas vu. J'étais pourtant dans ta zone, j'ai eu un accident dans ta zone. Et il y a eu même des décès dans cet accident-là, les gens qui étaient dans la voiture. Ma mère, elle est sortie indemne. Et puis, elle disait à son amie, mais c'est bizarre, je ne t'ai pas vue le jour de cet accident-là. On est passé dans l'hôpital. Elle dit, mais je ne t'ai pas vue du tout, est-ce que tu n'étais pas en service? Vous savez ce qu'il lui a dit? Le monsieur lui a dit, ah non, moi quand j'entends qu'il y a eu des accidents, je vais consulter des sorciers pour savoir si les gens vont... Le médecin a dit ça, hein. Si les gens vont être sauvés ou pas. Si les gens vont être sauvés, je me déplace pour aller les soigner. Et si je vois qu'ils vont mourir, je ne me déplace plus. T'entends ça? Bref, mais le truc, c'est quoi? Ma mère le dit, ah bon? Mais pourtant, il y a eu des décès et tout dans l'accident. Le monsieur lui a dit, en fait, quand j'ai appelé le sorcier pour aller voir, il m'a dit, il y a une dame dans la voiture. Sa lumière est tellement lumineuse que je ne peux rien voir. C'était ma mère. Il dit, mais je ne peux rien vous dire sur cet accident parce que ma mère, elle était un enfant de Dieu. Sa lumière était tellement resplendissante. Le monsieur ne pouvait rien voir ni rien faire à cause de la lumière qu'il y avait sur la vie de ma mère. Wow. Même si le sorcier, il va prendre votre nom, comme tu disais. Et il dit, je dis même, est-ce qu'il peut il même invoquer prendre. Il y a Balaam et Balak dans la Bible, c'est une histoire. Il y a un roi qui est venu pour dire au prophète, maudit. Maudit Israël pour moi. Le prophète, il dit, je ne peux pas
parce qu'ils sont bénis. Donc si Dieu les a bénis, je ne peux rien faire. Sachez que, c'est que Dieu a le dit. Sorcier ne peut rien contre vous. Non. Il ne peut pas outrepasser la volonté de Dieu, d'autant plus que vous êtes une lumière. Il va vous trouver où, en fait. Amen. Sachez que vous êtes sous la protection de Dieu. Et cette protection, c'est une protection surnaturelle. Amen. Lorsqu'on parle de sorcellerie, on parle des œuvres que nous ne voyons pas dans le naturel. Et bien, sachez que notre Dieu est le Dieu du surnaturel, justement. Et qu'il règne dans ce domaine-là. Amen. Donc, si vous êtes avec lui, il n'y a rien dans le monde surnaturel qui peut vous atteindre. Amen. Vous êtes avec le Seigneur. Le psaume 91 écrit ici, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose. » Où est-ce que tu demeures? La question, c'est... Est-ce que tu es sous l'abri du Très-Haut? Si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu reposes, tu dors à l'ombre du Tout-Puissant parce qu'il est la sécurité autour de toi. Amen. On déclare la conviction dans le cœur de notre sœur qui a peur d'être poursuivie ou atteinte par les sorciers. Amen. La révélation et la conviction. Je l'ai déjà partagé. Dans le nom de Jésus. J'ai déjà partagé ça ici. Dans ton cœur. Amen. Pasteur Chami, j'ai déjà partagé ça ici. Un jour, j'avais vécu une expérience chez moi dans ma chambre. Je ne sais pas c'est quel sorcier qui était venu me visiter, mais il avait échoué. Mm-hmm. Je dormais sur mon lit et tout à coup, je vois l'ombre noire. Tu savais qu'il y avait une manifestation. Oui, c'était une manifestation, c'était tangible. Mm-hmm. Je vois l'ombre à côté juste de mon lit et je sens que comme si on me surlevait sur les lits, là, qu'on voulait m'amener quelque part. Je ne pouvais pas parler. C'est comme si j'étais... Je ne sais pas quoi, comment expliquer. Mm-hmm. Mais dans mon esprit, je parlais. Et j'ai dit, tu ne peux pas m'amener à cause de celui qui est en moi. C'est ça. Donc, si tu veux m'amener, commence par Jésus. Amène Jésus d'abord. Quand j'ai dit ça, c'était terminé. Je suis retombée sur mon lit et puis ça a disparu. C'est ça. Et depuis ce jour-là, Pasteur Chamim, j'ai une conviction totale. C'est ça. Dans ma vie, dans mon cœur, que la puissance là, dès que tu connais qui tu as en toi, Jésus, il n'y a pas de démon qui va t'amener. Il n'y a pas de sorcier qui va te déplacer d'ici pour t'amener je ne sais pas où. C'est ça. Il faut, je sais que Pasteur Jamy me dit, et la conviction, tu y as appris sur la parole de Dieu, tu y as appris sur Jésus. Il faut que ce Jésus-là, tu puisses maintenant avoir la conviction dans ton cœur qu'il est tout pour toi. Amen. Et qu'il te couvre, et que Jésus-Christ en toi, tu as la puissance surnaturelle possible qui puisse exister sur cette terre. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il a été élevé au-dessus de tout nom, de toute créature, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. On n'a pas oublié sous la terre. C'est là. Même sous la terre, démons là ne peuvent rien faire contre toi. Car tu es un enfant de Dieu et quand tu marches sous l'abri du Très-Haut et surtout aussi quand tu utilises ton autorité en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, que cette conviction, la parole nous libère. La révélation nous libère. Alors, on déclare que cette révélation et cette compréhension aujourd'hui libère tous ceux qui étaient poursuivis par des sorciers. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu est Dieu, en fait. On a besoin d'un Dieu comme Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'un Dieu comme Dieu. Amen. Un Dieu qui est puissant, un Dieu qui aime, un Dieu qui parle avec nous, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui vient proche de nous, un Dieu qui a un potentiel, une capacité inouïe. Il est le Créateur. Il est le Créateur de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas. Amen. Il est puissant. Ayez confiance en Dieu. Jésus disait dans Jean 14, 1, « Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. » C'est comme qu'il disait, mais « Ayez confiance. » Pourquoi tu veux t'inquiéter? C'est ça. Ayez confiance en moi. Amen. Déclarez-le dans le chat, s'il vous plaît. J'ai confiance en Dieu. C'est lui qui est en toi. Amen. La parole dit, c'est lui qui est en moi est plus grand, fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne crains rien. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Libraya sindara brosso dorobaya. Alléluia. On va prier. Il y a une dame qui a demandé pour le dos. Oui, quand je priais tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui avait de l'acné dans le dos. Vraiment, vous pouvez passer votre main sur votre dos. Je veux déclarer qu'alors que vous le faites, la puissance de Dieu s'accomplit pleinement
pleinement dans votre dos. On chasse toute cette acné, toute cette rugosité. On la chasse. Pour Christine aussi, qui avait un problème dans le cuir chevelu et des difficultés respiratoires, on déclare la puissance du Christ autour de vous, la puissance du Christ en vous. Le Saint-Esprit de vie vous libère des difficultés respiratoires. Je veux déclarer que vos poumons sont parfaits, vos alvéoles sont parfaits. Vos poumons retrouvent leur perfection de création en Christ. Ils redeviennent parfaits dans le nom de Jésus. On déclare que tout votre appareil respiratoire, du nez jusqu'en bas, est restauré dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous touche maintenant. Il vous touche et vous retrouvez votre vigueur respiratoire dans le nom de Jésus. Je viens contre toutes les atteintes des cuirs chevelus, hein, alopécie, chute de cheveux, gratte, je sais pas, démangeaison, etc., séborrhée intensive, etc. Dans le nom de Jésus, je viens couler l'onction là du Seigneur. Que son onction coule dans votre cuir chevelu comme une huile qui se répand en ce moment et qui restaure toute votre cuir chevelu dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette huile que tu fais couler sur la tête de ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Je déclare une repousse abondante et forte de vos cheveux dans le nom de Jésus. Je déclare un cuir chevelu qui est restauré dans son état de perfection. Dans le nom de Jésus, la peau est magnifique, elle est saine dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, on condamne tout ça, toutes les maladies de cheveux, psoriasis et autres, eczéma dans le cuir chevelu, on condamne zona, etc. On vous condamne dans le nom de Jésus, on vient contre toute cette maladie. Vous êtes du camp des ténèbres, nous sommes du camp de la lumière, vous êtes du camp de la malédiction, on est du camp de la bénédiction et à cause de cela, on déclare la bénédiction, on déclare la lumière, on déclare la santé sur chacun de vous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Jésus. Il y a, comment elle s'appelle? Nora. Elle a écrit des reçus, elle parle du Élise qui a écassère des colons et des ovaires depuis 8 mois. Moi, je pense que, vous savez, si vous connaissez quelqu'un qui, en ce moment, a un défi de, mettons, un cancer ou une longue maladie, quelque chose qui l'éprouve beaucoup, je vous invite, s'il vous plaît, à lui communiquer Guérison TV. Ouais. Le lien de Guérison TV, c'est une chaîne 24 heures qui est dédiée qu'à la guérison. C'est un bébé de notre ministère, de l'Église La Victoire. Et cette chaîne a été faite justement pour les personnes qui sont acculées dans leur santé, pour qu'elles puissent recevoir la parole qui doit déjà transformer les pensées et qu'elles reçoivent aussi la guérison qui vient avec cette parole-là. S'il vous plaît, distribuez, ça s'appelle guérison.tv. C'est sur YouTube. Vous donnez juste le lien. Quand la personne va cliquer dessus, tout de suite, elle embarque dans des enseignements, exhortations, témoignages, déclarations, tout ça pour la guérison. Alors, ne manquez pas de leur donner ce numéro et on veut déclarer. On a un témoignage justement, tout à l'heure, vous allez l'entendre dans le live de guérison, d'une personne qui a été guérie. Elle a donné le lien à sa maman. Sa maman a dit, ah bon, tiens, ok, je vais l'écouter. La maman lui a pris après pour dire, oh, tu sais que j'ai reçu ma guérison pendant que j'écoutais Amen. Guérison TV. Amen, Dieu est capable. S'il vous plaît, communiquez ça. C'est vraiment un lien de victoire. C'est un lien de salut. Amen. Pour tous ceux qui souffrent. Donc, communiquez à votre maman ou à votre sœur ou à votre voisin. Il y a quelqu'un qui a demandé la prière pour mon voisin. Mieux encore, donnez-lui le lien Guérison TV. Amen. Oui, c'est ça. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Samantha, oui, tu reçois ta guérison de l'acné dans le nom de Jésus. Il y a une dame qui avait demandé, Nora, elle dit, priez pour mes vertiges. Nora, je t'encourage à prier contre les vertiges. On a parlé d'autorité. Chasse ça au nom de Jésus. Refuse ça dans ta vie. De ma vie maintenant, Amen. Dans le nom de Jésus. Chasse les vertiges. Reçois l'équilibre. Reçois la paix. Reçois l'abondance dans le nom de Jésus. Amen. Tu n'as plus de vertige dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Écrivez-nous à témoignage@eglise-la-victoire. Dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. Partagez avec nous. On va pouvoir célébrer le Seigneur avec vous également. Amen. Tout à l'heure, vous pouvez rester avec nous. Ne vous déconnectez surtout pas. Continuez à envoyer le lien à des personnes parce qu'on va rentrer dans une autre heure et demie, là, dans le live de guérison avec Pasteur Mathilde et Pasteur Joël Spinks et leurs invités.
Aujourd'hui, on va encore déclarer la guérison. Nous, on aime ça, déclarer la guérison, parce qu'on sait que ça marche. Et oui, ça marche. Ça marche. Amen. Ça marche. Donc, restez avec nous et puis venez écouter la parole qui vous libère. Alléluia. Et aussi, venez recevoir vos percées aujourd'hui. Venez recevoir votre santé. Amen. Votre pleine restauration. Amen. Je déclare que vraiment vos oreilles sont ouvertes encore et que dans le live de guérison qui suit tout de suite, vous avez encore une parole qui vient vous amener dans la liberté, vous amener dans la délivrance, dans le nom de Jésus. On déclare que vous recevez la parole, que vous êtes alerte, vous ne manquez pas votre portion aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des SOS Prières. Et oui. Amen. Pour vos percées, pour vos victoires. Vous êtes richement bénis. Amen.